Bonjour. Nous vivons une période incroyable, exceptionnelle, exceptionnelle. Propice à l'éclosion de l'homme, quand je parle d'homme, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de genre, non-genré. Période par contre difficile pour l'humanité. Parce que le piège, encore un piège, est de croire qu'il faut sauver l'humanité. L'humanité, c'est quoi? L'humanité n'a rien à voir avec l'homme. Rien à voir. Absolument rien à voir avec l'homme. Absolument rien à voir avec l'homme. Cela concerne des animaux humains sur le plan terrestre. Uniquement l'humanité. Concerne ou vouloir sauver l'humanité concerne que l'animal humain. Enfermé dans une conscience et inconscience terrestre. La conscience n'amènera aucun animal humain, aucun animal humain, à découvrir ce qu'est l'homme. La conscience de l'animal humain, au plus haut, le plus haut niveau, s'arrête sur le plan terrestre. Mais n'a rien à voir avec la vie. La conscience ne peut pas comprendre la création. La vie ne peut pas comprendre. Impossible. Un animal humain et régit selon les lois de la nature. Il veut défendre sa conscience. Lui permet par des vibrations de recevoir uniquement ce qui l'entoure, les vibrations sur le plan terrestre de ce qui l'entoure, mais comme un animal, comme un chien, comme un cheval, comme un oiseau. Ça s'arrête là, hein. Les animaux n'ont très peu de conscience ou n'en ont pas du tout. L'animal humain a une conscience, mais c'est quand même pas ça qui va lui permettre de percevoir la vie en lui. L'animal ne perçoit pas ça. Il a une programmation. L'animal humain en est à peu près certainement au même stade. Et donc je reviens sur cette période propice où ça va certainement mettre un sacré coup d'accélérateur nous allons être pas des animaux humains le fragment de vie qui est dans l'animal humain, qui est perçu, va reconnaître les autres animaux humains qui ont perçu le fragment de vie en eux. La vie est créatrice,
créatrice. Créatrice de tout. Le plan terrestre, c'est du tout venant, hein. Tu nais, tu vis une existence, tu meurs. Basta. Donc, quelle est la différence? Parce que je pense qu'il y a une différence et ça n'a rien à voir avec de l'évolution. Absolument rien à voir avec l'évolution. L'évolution se passe sur le plan terrestre, oui. Sur le plan de conscience terrestre, oui. S'arrête au niveau du ciel avec toutes tes croyances en un dieu ou des dieux. Hein. Mais ça s'arrêtera là. Hein. Ça ne va pas au-delà, l'univers, le tout, quoi. Et là, actuellement, le plus haut degré de conscience, ce que les gens appellent les satanistes, les Illuminati, tout ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est de la connerie, tout ça. Effectivement, il y a des plus hauts niveaux de conscience sur le plan terrestre qui n'a absolument rien à voir. Donc ça concerne le plus haut ou le plus bas, peu importe, l'inconscient, ou le plus haut point de conscience. Ça concerne uniquement les animaux humains. Hein. L'homme est issu de la création. De la création, de la vie. La vie est créatrice, on le voit. Tu pars, tu meurs, tout continue. La création continue, c'est sans fin. Alors quelle fonction, on pourrait se poser la question, quelle fonction pourrait avoir l'homme? Pour être un support, le véritable homme non genré, hein. Je le précise, je le reprécise, non genré. Parce que ça aussi, cette histoire de féminin, de masculin, faut arrêter, quoi. Je vis en couple, je ressens pas ces choses-là. Après, j'en débattrai par la suite. Donc l'homme est un support de création. L'homme est un support de création au départ. Au travers d'une intelligence émotionnelle. Intelligence émotionnelle. La vie n'a pas d'émotion. La création n'a pas d'émotion. La création n'a pas d'émotion. Et le seul moyen est de passer par l'homme avec une très grande intelligence émotionnelle. On ne parle pas d'amour là, on parle d'intelligence émotionnelle. Et là, il y a possibilité de création au travers de l'homme. Pas au travers de sa conscience. Puisqu'on voit bien, hein, la conscience n'a mené absolument à rien, hein, à part se faire emprisonner par des hauts degrés de conscience terrestre. C'est pour ça qu'on en est à vouloir sauver l'humanité. Alors je vais quand même préciser quelque chose en ce qui me concerne. Je n'ai aucune généalogie. Pas de famille. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de nation. Je n'ai pas d'origine. Je ne défendrai jamais ces points-là. C'est une perte. Une perte. Jamais.
Je ne défendrai jamais cela. Je ne veux de mal à personne. J'aime tous les êtres humains. Par contre, tu ne rentres pas dans mon espace vital. Mais j'ai aucune animosité envers un humain, un animal humain. Mon personnage né est un animal humain. Ma carcasse, là, est un animal humain. Cette carcasse va naître, je vis, j'expérimente, j'ai pas de pouvoir de création. Personnellement, je n'ai aucun pouvoir de création. Il y a certainement deux types d'hommes, de véritables hommes. Je pense qu'il y a deux types de véritables. Ceux qui vont être de support de créativité et qui peuvent amener l'homme dans une autre dimension, ça ne me concerne pas. Ça ne concerne pas. Nous sommes certains, certains à simplement être là. On passe. On va passer là. Quelques années. Uniquement sur un plan de justice. Pas justice politique, hein. Justice spirituelle. On va y au grain, quoi. Moi, j'attends rien, hein. Moi, me sauver, moi, je m'en bats, mais je répète, hein, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Sans avoir un esprit suicidaire. Demain matin, je vais me lever, je serai heureux de me lever. Ce n'est pas un problème. Ce ne sera jamais un problème. Je n'appartiens à aucun clan, aucun, ni religieux, ni politique, ni nation, ni même sur le plan terrestre, je n'appartiens pas à ça. Ma carcasse, oui, 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 je suis français, je suis né à Strasbourg, je m'appelle, je ne l'ai jamais dit, je m'appelle Kuhn Christophe. Voilà, ça c'est mon portail organique, Kuhn Christophe. Ça, c'est mon portail. Je suis né à Strasbourg. Ma carcasse est née à Strasbourg. Mais je ne m'identifie absolument pas en tant que Strasbourgeois, Alsacien ou Français. Je ne m'identifierai jamais. Je ne me suis jamais identifié et je ne m'identifierai jamais. Je n'y arrive pas. J'ai tenté, hein. J'ai tenté. Oui, je pense qu'il y a des... On est certain, on est comme des ovnis, quoi. Veux de mal à personne. Par contre, t'as pas le droit de raconter des cracks, quoi. Peux pas raconter des cracks. Peux pas raconter de la merde. Comme tous les spirituels, les religieux, ils font, là. On veille. On veille. On est quelques-uns. On veille. Et on partira comme les autres. Ça, c'est pas un problème, hein. C'est pas une histoire d'être un surhomme. Je le sais. Je le sais. Tout simplement. Comme je sais qu'il y a des hommes, alors ça peut être une femme ou un homme, hein, dans le genre, qui, eux, sont là pour justement utiliser ce pouvoir de création qu'ils ont. Moi, je ne l'ai pas. Je ne le possède pas. Je suis là uniquement pour observer tout ça. Je suis en tant... La vie observe au travers de moi et d'autres, je ne suis pas le seul, je ne suis pas le seul. Observe, on veille au grain. Pas que ça aille trop vite, hein. Faut pas que ça aille trop vite. La religion, il en faut encore un peu. Par contre, tout le New Age, là, c'est une expérience, c'est clair, c'est une expérience. Toutes ces sectes qui sont en train de d'éclore, en plus avec cette crise-là, pas cette pseudo-crise. Éveilleurs de conscience,
te font croire à l'éternité de l'animal humain. Il n'y a pas d'éternité pour l'animal humain. Je vais le répéter pour la troisième fois. Tu nais en tant que portail organique, support de la vie. Soit c'est perçu en toi, ou ce ne sera jamais perçu. C'est perçu ou ça ne sera jamais perçu. C'est pas grave ça. Il y a énormément de portails organiques. Énormément de portails organiques. Leur fragment de vie est tellement infime, infime, que jamais, jamais, ce ne sera perçu en eux. Jamais. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Ils sont là justement pour ne pas croire en l'humanité. Ne pas croire, parce que croire en l'humanité, c'est un piège. C'est le piège. Le piège est là. Tant que tu croiras qu'il y a quelque chose à sauver, t'es mort. T'es mort. Il n'y a qu'un mort qui veut sauver ses miches. Il n'y a qu'un mort. Tout le monde est en train de se débattre là actuellement. Tout le monde est en train de soit croire que ça va bien aller, soit être en totale panique, soit devenir des combattants au nom de l'humanité, au nom de la Terre. On va sauver l'humanité, on va sauver la Terre. Mais la Terre, elle n'a rien à foutre de ta gueule, putain de merde. Oh, elle n'a rien à branler de ta gueule. Terre s'en bat les couilles de ta gueule. T'es rien, hein, t'es un insecte. Hein. Dérisoire, hein. Si, on fout le bordel, quoi. Justement. Pas de propos, pas de connotation écologiste. Hein. Rien à foutre de l'écologie, c'est pareil. Hein. Fausse lumière, tout ça. La vie est créatrice. La vie est créatrice. Mais elle ne sait pas ce que c'est les émotions. Elle ne sait pas. Et il faut qu'elle passe sur un support. Et le seul support qui existe sur le plan terrestre, c'est l'être humain. L'être humain. Et tant qu'il restera à l'état de croire qu'il a à défendre une nation, défendre une famille, défendre quoi que ce soit, il sera dans l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, il n'y a aucune intelligence émotionnelle là-dedans. Donc, tu ne peux pas être créateur de quoi que ce soit. Tu ne peux pas, c'est impossible. Les artistes avec leur hypersensibilité, ce n'est pas de la créativité. Ce n'est pas de la créativité. C'est des putains de pulsions d'un mort qui essaye de capter la vie, mais il l'aperçoit pas. Il l'aperçoit pas. C'est que ce n'est pas perçu. J'ai beaucoup de chance, j'ai pas besoin de passer par là. Je n'ai pas besoin de passer par là. Alors on va me dire, bah, tu ne sers à rien. Ouais, peut-être je ne sers à rien. Pour l'instant, je veille. On veille. On est quelques-uns. Un jour, il y aura la possibilité de se rencontrer. On aura la possibilité. On est clairsemés partout, partout sur la planète. Partout, partout. On est très peu. Mais c'est possible. Par contre, les supports de créativité, il y en a beaucoup. Beaucoup ont ce potentiel. Là, ça, c'est un élément clé. Moi, je ne suis pas un élément clé. Je ne serai jamais un élément clé. Ça ne me dérange pas. Je m'en fous. Je m'en contrefous de ça. Moi, je m'éclate. Je m'éclate. Je m'éclate. Mais au moins, je connais mon rôle. Je sais ce que j'ai à faire. Je le sais. Je le sais. Je sais ce que j'ai à faire. Il m'a fallu du temps, hein, mais je sais ce que j'ai à faire. Pas en tant qu'être humain, hein, pas en tant qu'animal humain. Hein. Ma représentation en tant qu'animal humain, enfin, en tant que pseudo-homme, il a encore des peurs. Hein.
Mais ça grippe plus. Ça grippe plus. Ils peuvent plus s'agripper. Ils peuvent plus. C'est impossible. Impossible. Pour s'agripper, quelques heures, peut-être même, allez, même quelques jours. Là, tout ce qui est en train de se passer, sérieux, c'est une pièce de théâtre. Tout est une pièce de théâtre. Tout. C'est une pièce de théâtre. Et tant que tu croiras à la pièce de théâtre de l'humanité, c'est mort, quoi. Mort. C'est mort. C'est mort. Et ouais. Peut paraître basique, très basique. Ce que l'animal humain ne comprend pas, c'est qu'il y a des gens, des animaux humains, qui, de par leur conscience, sont arrivés à un très très haut niveau de conscience terrestre. On en est toujours à l'animal humain. Et même ces gens-là, de très très haut niveau de conscience, dont la vie n'a jamais été perçue en eux. Et là est le piège. Là est le piège. Ça, on le retrouve chez les religieux. On le retrouve sur le plan politique. Sociétal. Éducatif. Partout, partout, c'est engrammé partout, 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 partout. Et tant que tu croiras à cette sinistre farce, dont on doit être l'acteur, le personnage, moi je joue l'acteur, hein. Je vais bosser, j'essaye d'entretenir une relation tant bien que mal avec mes voisins, ça se passe bien, hein, pas de soucis, hein. Il n'y a pas de tension, j'ai de la chance d'avoir des voisins franchement super sympas. Enfin, des voisins du village, parce que je suis dans la forêt. Mais bon, quand je vais balader mes chiens, par exemple, dans le village, voilà, quoi. Donc, ça se passe bien, j'essaye. Voilà. Ils jouent une comédie, je joue une comédie, hein, parce que ça reste que de la comédie, hein. Ils te parlent par intérêt, moi, je leur parle sans intérêt. Mais bon, j'essaye de ne pas être trop l'extraterrestre. Parce qu'encore une fois, je le répète, je suis un grand, grand solitaire. Par contre, avec le gros avantage de la matrice, le petit cadeau qu'elle nous a donné, c'est de pouvoir justement faire des vidéos. Justement, de faire des vidéos. Alors, je sais très bien qu'il y a très peu de vues, c'est pas du tout ce que je recherche. Le hasard fera que une ou deux personnes, et ce sera largement suffisant, après une autre personne, ta 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 ta, c'est pas une histoire de vues, c'est pas une histoire de likes, c'est pas une histoire, même des réactions, hein, je n'attends rien du tout, forcément. On saura se reconnaître. Et simplement de savoir qu'il y a une autre, un autre homme, non-genré, hein, donc ça peut être une femme ou un homme, hein, qui a, ou ça a été perçu, après il y aura, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, une possibilité de créativité sur le plan intelligence émotionnelle ou une sorte de gardien quoi, qui passe furtivement 20 ans, 30 ans, 50, 60 ans, 70 ans sur enfin, qui va acquérir une existence terrestre et qui va se barrer quoi, hein, parce que je suis la vie, je m'en bats les couilles, hein. Je suis la vie, tu es la vie. Le seul truc, c'est que tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas que tu es la vie. Tu es un support soit créateur, soit de justice. Tu es créateur. Créateur de l'intelligence émotionnelle que la vie n'a pas. C'est la seule chose qu'elle n'a pas. Elle ne peut pas. Elle est froide. Elle crée tout, mais elle n'a pas cette intelligence. Et au travers de notre intelligence, au travers de nos émotions, parce que dans les
Dans l'Advaita Vedanta ou dans le supramental, c'est évoqué et c'est récurrent, la centricité ou le calme intérieur, le silence intérieur, plus précisément, le silence intérieur. C'est-à-dire quand tu es au plus haut de ton émotion, tu te laisses embarquer là-dedans. C'est ton portail organique. La vie observe ça, ça redescend, tu t'écroules comme une merde. À un moment, ça remonte et ils essayent de trouver à ce niveau-là une intensité juste. Juste au moment où ça remonte, ça descend, il faut trouver. Ça, c'est souvent dans l'Advaita, on va chercher ce silence. Et le problème, c'est que les gens, ils passent leur vie, leur existence, à chercher ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ça, ça tombe dessus ou ça tombe pas dessus. C'est pas avec la recherche que ça fonctionne. L'acharnement peut amener à quelque chose qui peut ressembler, mais après, l'ego, il voudra en faire quelque chose. Donc il voudra être tout le temps constant. Moi, je m'en fous de monter, de descendre. Voilà, il faut juste plus que ça accroche. Il faut juste plus que ça accroche. Je suis un animal humain comme tous les autres. Par contre, la vie a été perçue. La vie a été perçue. Simplement percevoir. Simplement. Pas par l'ego. Je l'ai répété dans d'autres vidéos. Mais tant que c'est l'ego, il voudra être stable tout le temps. Mais c'est pas ça, ça n'a aucun intérêt. Puisque la vie créatrice veut, au travers de ta créativité, justement, vivre ses émotions et au travers d'une intelligence, en faire quelque chose de beau, quoi. Faire quelque chose de beau. Alors peut-être sur un autre plan, ça c'est pas mon... Je ne peux rien dire. Je ne peux rien dire. Je ne le dirai pas. Là, pour l'instant, la créativité se passe sur un espace-temps. La créativité au travers de l'homme, pas de l'animal humain, mais de l'homme, femme ou homme, tout ça est dans un espace-temps. Après, les plans, c'est une autre dimension. Voilà, tout simplement. Ça, je suis incapable d'en parler. Ce n'est pas mon rôle. Je n'ai pas ce rôle-là. Moi, je m'en fous. J'ai la vie. La vie est là. La vie est là. J'ai des peurs, mais pas d'angoisse. J'avais des angoisses. Les peurs arrivent, mais ne génèrent plus d'angoisse. Depuis que la vie a été perçue, il y a une grande, grande différence. Et les gens, actuellement, et justement, de par cette crise, ils découvriront ou ils ne découvriront pas. On pousse l'animal humain à bout actuellement, par tous les moyens, tous les moyens. Absolument par tous les moyens. Les hautes consciences politiques, religieuses, essaient de se rassurer. Et l'animal humain, la masse, se débat pour essayer de sauver quelque chose qui n'existe pas. Cette fausse éternité sur le plan terrestre. Et pourtant, l'éternité est là. Elle est là. Elle est là. Mais pas pour l'animal humain. Tu es un animal. Tu vas disparaître. Ta conscience avec. Hein. La conscience, elle dégagera avec. Hein. Par contre, la vie qui était en toi, elle peut pas. Elle peut pas, elle est créatrice tout le temps. Elle se régénère tout le temps, elle régénère tout le temps. Tout le temps, en permanence. Mais c'est simple. C'est si simple. L'être humain préfère partir. Il y a un moment, les chercheurs, l'animal humain, le chercheur,
parle pas des non-conscients, hein, qui eux, on est dans le portail organique pur et dur. Là, et il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de portails organiques. Il y a énormément de portails organiques, énormément. Ce n'est pas un problème. On diabolise le portail organique. Mais justement, il faut être entouré de tout ça. Il faut être entouré de tout ça pour que justement ressurgisse auprès. Parce que ça reste du tout venant. Le portail organique, la carcasse, ce n'est pas grave ça. L'hypersensibilité du portail organique de base de la masse, comme on peut le voir actuellement, qui s'emballe pour sauver, croire qu'il va sauver l'humanité. Ça, c'est de l'hypersensibilité. Il n'y a aucune intelligence là-dedans. Aucune intelligence. C'est zéro, zéro, zéro. Mais la masse flippe. Et même si au très, très haut niveau de conscience, ces gens-là flippent. Que cela soit révélé un jour. Je quasiment persuadé qu'ils ne sont pas là pour éliminer la masse, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, parce que tout le monde flippe actuellement. Non, ils sont plutôt à la recherche des personnes. Et ça, il faut essayer vraiment de le comprendre. Je me sens absolument pas. Ça me flippe pas, hein, c'est pas ça le problème. Ils sont plutôt à la recherche des personnes où la vie a été perçue en eux. On est très très peu. On va être 100 000, 200 000, j'en sais rien, 500 000 sur le plan terrestre. Où ça a été perçu, la vie en eux. Ils recherchent ces gens-là. Ils feront tout pour les éliminer. Ils ne veulent pas éliminer le peuple. Ils veulent, tout ça, c'est du bullshit. Tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde. Tout ça, c'est pour créer de nouveau. Vous allez être accro, vous cherchez le sauveur sur le plan terrestre, ou vous cherchez le sauveur de nouveau. Beaucoup vont prier Dieu de nouveau, le Dieu de la terre, hein, le Dieu sur le plan terrestre. Hein. Pas la vie, hein, la vraie création, quoi, le pouvoir de création. Hein. Le vrai créateur, le vrai pouvoir de création, c'est la vie. La vie. Ben un dieu, hein. Alors t'as envie de dire dieu, mais encore une fois, dieu est la représentation d'un animal humain, donc c'est bullshit. Et ça, les hautes autorités le savent, et beaucoup de gens vont y retourner. Et c'est pour ça que les sectes marchent à mort, quoi. C'est pour ça que le supramental a été transformé en secte. C'est pour ça que l'Advaita Vedanta est en train de faire de la merde. Mais ce qui n'empêche pas que je reste convaincu que même dans le supramental, dans le milieu supramental, il y a très 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 peu d'hommes qui se sont découverts. Hommes non-genrés, hein. Donc ça peut être une femme ou un homme, hein, je le répète encore. Ils ont perçu la vie. J'en connais une, mais qui ne le sait pas encore. Rachel Baz. Rachel Baz. Elle a une chaîne. Elle est trop encore dans le trait technique, beaucoup trop dans le technique. Ça a été perçu, elle ne le sait même pas elle-même encore. Je le sais qu'au travers de ces vidéos, beaucoup trop conceptualisées, alors c'est pas que c'est de la merde qu'elle raconte, hein, c'est d'une précision chirurgicale. Elle va passer par des explications quantiques, scientifiques. Oui. Mais ça, c'est pas de notre ressort. Après, elle, je sais que ça l'intéresse énormément. Mais cela l'empêche justement, ou du moins c'est son parcours, certainement son parcours. Je suis peut-être dans un jugement là, peut-être. Peut-être dans un jugement. Mais Rachel Baz a une approche très, 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 très intéressante. Elle a une chaîne YouTube. Mais je sais que ça n'a pas été perçu en elle encore. Mais elle est toute proche. Elle est toute proche. Toute proche. Alors je ne sais pas si elle aura un rôle de justice là-dedans, ou si c'est une créatrice, un support de la création. Je ne saurais pas le définir.
C'est pas à moi déjà de le définir. Elle seule le sait. Il y a d'autres chaînes, j'y ai cru. Mais finalement, il y a beaucoup trop d'ego. Hein. Et là, par contre, je vais aller dans le jugement. Moi, j'ai rien à perdre. Moi, j'ai rien à perdre. Moi, j'ai rien à vendre. Hein. Absolument rien à vendre. Donc, moi, je peux me permettre. Je m'en fous, quoi. Il y en a qui pensent qu'ils vont réveiller les autres. Mais le réveil, il ne se fait pas de cette manière-là. Personne ne réveillera personne. C'est pas comme ça. C'est une rencontre. La vie rencontre la vie au travers d'une vidéo, au travers du présentiel, physiquement, un face à face. J'ai eu la chance de justement de rencontrer la vie avec la vie dans mon couple. C'est un couple qui s'est formé tardivement, comme quoi. Et jamais trop tard. Ce qui ne garantit pas que nous serons ensemble jusqu'au bout de notre existence terrestre. Hein. On en a parfaitement conscience, tous les deux, parfaitement conscience. La volonté du chercheur, d'un chercheur, sa volonté, sa ténacité, si c'est motivé pour sauver ses miches et de rendre éternelle la carcasse, l'animal humain, bullshit, c'est de la merde. La motivation est mauvaise. Et je sais qu'il y en a qui ont beaucoup de volonté là-dedans. Bah, franchement, reste dans la religion. Crois au paradis et à l'enfer, hein, t'as raison. Et ils veulent bien nous tenir là-dedans, hein, parce que la croyance au satanique, on y est. Hein. On y croit encore, c'est incroyable. Enfin, pas moi, mais les 90% ou 95% des gens adhèrent à cette idée-là, quoi. Même si les religions ne sont plus là, même s'il y a énormément d'athées, n'empêche que la conscience terrestre totale croit quand même encore à tout ça. Vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde, je vous le dis. Hein. Athée, non religieux, tout ce que tu veux, ou religieux, ou spirituel, je suis plus dans la religion, ou maintenant je suis dans le supramental, mais peu importe. C'est une question de niveau de conscience. Et le niveau de conscience, même quand tu arrives au plus haut, tu te fais baiser encore. Même là. Tu dois avoir de la conscience, mais ce n'est pas ça qui permettra de percevoir la vie. La conscience ne permettra à aucun moment de percevoir la vie. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. La conscience sert uniquement à mettre de l'intelligence émotionnelle sur le plan terrestre, ce qui va créer de la créativité intelligente. La vie va le capter et à ce moment-là, on fait avancer la vie sur un autre plan. Clos. Quelque chose de l'ordre. Quelque chose dans cet ordre. Je m'en fous, moi. Ça me suffit. Hein. Ça me suffit. Hein. Donc il est temps de dire la vérité. Certains vont avoir la possibilité. Je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore. Peut-être que je ne l'aurai jamais. Mais en tout cas, l'ajustement est en train de se faire. L'ajustement est en train de se faire. Vouloir sauver l'humanité, c'est adhérer au plan de mort.
c'est adhérer au plan de mort. L'humanité est issue d'un plan de mort. Et non d'un plan de vie. L'humanité, c'est comme un grand groupe d'animaux. Tu prends un petit groupe d'animaux, ils vont disparaître. Ils finissent par disparaître, et ils reviennent, disparaître, et ils reviennent. Et toi, t'es pas mieux. En tant qu'animal humain, en tant que carcasse, en tant que portail organique, oui, il y a un niveau de conscience, mais ça vaut pas mieux. Parce que, encore une fois, ça fait 4 fois maintenant que je le répète, même avec un très haut niveau de conscience, ces gens-là veulent sauver leur miche. Tant que tu voudras sauver tes miches, t'es baisé, quoi. T'es baisé. Le plan de mort te rattrape tout le temps. Tout le temps. Ah, c'est pour ça. Je n'ai aucune accroche au niveau familial, aucune accroche au niveau amitié, aucune accroche même au sein de mon couple. J'aime ma femme. Mais j'aime. C'est le fragment de vie en moi qui a reconnu le fragment de vie en elle. Et inversement. Et là, à ce moment-là, malgré les émotions qui montent, qui descendent, parce que ça ne m'empêche pas d'être jaloux par moment, ça n'empêche pas, elle, d'être jalouse aussi, par exemple, d'avoir honte, ou d'être... On peut être parfois... Encore une fois, je suis protégé par la jalousie matérielle, la jalousie affective, je suis plutôt sensible. Et justement, et ça, la vie permet de... Ça lui permet d'avoir de l'info. Et nous, avec notre intelligence, on doit canaliser ça. Ça, tu dois le canaliser. Ça, tu dois l'ajuster. Ça, tu dois le centrer, quoi. Ça, c'est ça. Ça, être centrique. Ça, être centrique. Pas pour sauver tes miches, juste pour donner de l'info. Tac. Et la vie, Inch'Allah, hein. on verra ce qu'elle en fera. Et ça, je trouve que, putain, waouh, quoi, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Souvent, je me retourne sur mon passé, 54 balais maintenant, à présent, j'ai 54 balais. Je me retourne en arrière, malgré mes hauts, mes bas, mes... C'est juste que ça a été des expériences incroyables. Voilà, voilà, sur le passé. C'est pour ça que ça ne peut pas m'accrocher. Il n'y a rien qui s'accroche. Il n'y a rien, rien. Ça glisse. Ça glisse. Tout glisse. Glisse. C'est des expériences incroyables. Incroyables. La vie, au travers de mon support, a pu expérimenter des choses incroyables. Incroyables. C'est... Je kiffe, quoi. C'est ça, là, une sorte de réalisation. Là. Ça te permet d'être dans ce temps qu'on dit présent, mais qui fuit tout le temps en avant. Il n'y a pas de temps présent, ça n'existe pas. Mais le temps présent fuit toujours en avant. Je n'ai pas de pouvoir de créativité, parce que j'ai du mal à me projeter... Dans le futur, beaucoup, enfin, maintenant vieillissant, j'ai beaucoup de mal à me projeter dans le futur. Par contre, les personnes qui ont encore, malgré tout, quand la vie a été perçue, ça te bloque, ça te met en espèce de léthargie, quoi. C'est ça aussi le piège, hein. Il y a quand même un gros piège, hein. Il y a énormément de gens qui vont, peut-être des personnes qui vont, justement des hommes, qui vont découvrir ça, ou ça va être perçu, et qui vont tomber dans une profonde léthargie. Et justement, il va falloir veiller à ça. Parce que sinon, la créativité n'est plus possible. La créativité n'est plus possible. Mais moi, je n'ai pas besoin de ce support de futur. Mon rôle est totalement différent. Et juste là, pour que certaines personnes arrêtent de dire de la merde, quoi. Juste. Et ça, je le vois dans mon quotidien, hein. Je suis pas anti-hiérarchie, mais honnêtement, je suis un simple ouvrier.
Et la vie est tellement intense en moi que la hiérarchie est soit méfiante, soit elle n'arrive pas à me manipuler. Elle n'y arrive pas. Elle tente, ils ont tenté. Ils ont tenté à plusieurs reprises. Mais je ne rentre pas dans leur combat. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. J'avais par exemple un père autoritaire, ça n'a pas fonctionné. Et très très jeune, ça n'a pas fonctionné. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Je n'ai pas dit que je n'en ai pas souffert. Hein. Je n'ai jamais dit que j'en ai pas souffert. Mais ça ne s'est pas engrammé au plus profond de mon être. J'ai pas sentiment de revanche. Je sais que la hiérarchie fait comme elle peut. Il y a des hiérarchies intelligentes. Il y a des parents intelligents, malgré tout. Hein, Moi, j'en ai pas besoin, par exemple. Je n'ai pas besoin de ce support familial. Je comprends qu'il y a des gens pour qui ça se passe bien, et il faut que ça se passe bien, tant mieux. Ils ont cette expérience à vivre. Moi, je n'ai pas cette expérience familiale à vivre. Il y a deux enfants, deux grands garçons, qui sont issus d'une enseigne union. Je n'ai aucune accroche envers mes enfants non plus. Aucune accroche. J'aime mes enfants. Mais je reste imperturbable là-dessus, quoi. Imperturbable. Alors, ça paraît inhumain, je le sais. Je sais que ça peut paraître inhumain. Mais ça, c'est l'animal humain qui perçoit ça. L'animal humain. Je ne suis pas... En tant que carcasse et portail organique, je suis un animal humain, mais je suis un homme, un homme, un homme. Là, il y a vraiment une différence. C'est pas qu'il y a une double humanité, alors il y en a aussi deux humanités. Il n'y a pas deux humanités. Ça n'a rien à voir. Tout le monde a la possibilité de percevoir cela. Tout le monde a la possibilité. Sauf que la vie n'en a pas décidé ainsi, quoi. La vie n'en a pas décidé ainsi. Je ne suis supérieur à personne. Mon plan de conscience est supérieur à rien du tout. Mais alors, absolument à rien. Par contre, je sais que je suis un homme. Non genré. Non animal humain. Non physiquement un homme. Je parlais du rôle de l'homme, de créativité ou de justice. C'est complémentaire, très complémentaire. Ma vie terrestre, finalement, est gratuite. Gratuite, elle est gratuite. Gratuite. Et ça enlève... beaucoup de besoin d'exister. Je fais des vidéos uniquement pour partager et éventuellement, peut-être, que cela résonne. Même si c'est un mini auditoire, peu importe, je préfère avoir 15 personnes qui regardent. Ou éventuellement même une seule personne, une seule. Et si ça résonne, ça suffit. Ça résonne, elle va faire résonner quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est ça le truc. C'est pas faire pour soi. C'est juste que ça résonne, et à force, ça va fonctionner. Parce que pour l'instant, la résonance, elle est par rapport à ce qui nous entoure. L'animal humain, les vibrations, c'est uniquement sur ce qui l'entoure sur le plan terrestre. Mais il n'y a pas de résonance de vie là-dedans. Il n'y a pas de résonance de vie. Je fais ces vidéos uniquement pour résonner, pour faire résonner le fragment de vie qui va vibrer ou résonner avec un autre fragment de vie, la création. Et pas vibrer d'hypersensibilité, d'hyper-émotivité ou de ceci ou de cela.
comme c'est en train de se passer, où tout le monde est en train de partir en vrille. Tous les animaux humains actuellement sont en train de partir en vrille. On en est à croire qu'il n'y a plus de vie sur Terre, mais parce que tu prends référence à l'animal humain. Mais la vie, elle est là partout, hein. Elle est là partout, tout le temps, tout le temps. L'animal humain a peur de disparaître, mais pour l'instant, je pense qu'il n'est pas prêt de disparaître, hein. Oui, des portails organiques, ben comme moi, hein, en tant que portail organique, oui, je veux partir. Mais c'est ça qui fait peur. C'est débile, quoi. C'est complètement débile. T'es mort déjà. T'es déjà mort. Ta carcasse, elle est morte déjà. On a peur de l'IA. De l'IA. Comme on avait peur de Dieu. On va tout faire. On va tout faire pour aller au paradis. Paradis n'existe pas. On a peur de l'IA. Beaucoup ont peur de l'intelligence artificielle, parce que là, on le voit bien. On te fait croire une possibilité de manipulation, mais la manipulation des masses, ça a été de tout temps. Sauf que là, ils ont mis le coup d'accélérateur, parce qu'ils savent, pertinemment, tout en haut d'eux, vraiment, les gens avec un haut degré de conscience, donc pour dire encore une fois, c'est juste de la merde la conscience, elle est nécessaire, mais si c'est pour s'en servir, pour sauver tes miches, ça sert à rien, c'est de la merde. La conscience, ça doit servir à autre chose, à de l'intelligence émotionnelle, clos. Si ça ne te mène pas à de l'intelligence émotionnelle, c'est de la merde. Donc maintenant, ces personnes-là, sont en train de flipper, mais comme jamais. Et toi, tu penses qu'ils vont t'éliminer, mais de toute façon, tu vas être éliminé, tôt ou tard. Alors que ce soit 25, 35, 45, 55, j'ai 54 ans, tout être humain, normalement, animal humain, a une espérance de vie actuellement à peu près 80 balais pour un genre homme. Genre homme, mais moi, je m'en bats les couilles. Je veux dire 80 balais ou 100 ans ou... Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Je sais que la vie a vibré la vie clos. Ça suffit. Au travers de du portail organique qu'est ma femme, elle et moi, on sait qu'on va partir. On en a parfaitement conscience, ça ne nous fait pas flipper, ça. Ça ne nous fait pas flipper, tous les deux, hein, là-dessus. Alors c'est facile à dire, hein, à 50 balais, hein, c'est facile à dire. Ça c'est clair, je ne te l'aurais pas dit il y a 10 ans, quoi. Mais quand je vois tous ces boomers, là, qui flippent, mais comme jamais. Quand je vois cette jeunesse, toute cette jeunesse qui flippe, mais comme jamais. On n'est pas sorti, hein. On n'est pas sorti de ce système, hein. La matrice a été créée, la matrice, telle qu'on la connaît actuellement, a été créée par un haut de niveau conscience terrestre. C'est l'humanité qui a créé la matrice, c'est pas Satan, hein. C'est les plus hauts niveaux de conscience qui ont créé la matrice. Il va falloir finir par le comprendre. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de Lucifer. Tout ça, c'est dans ton mental, dans ton mental. C'est uniquement dans ton mental. Je me souviens, ma grand-mère, une de mes grand-mères, voyait des esprits. Tu connais beaucoup de gens autour de toi là qui voient encore des esprits.
Mais les esprits, c'est les portails organiques. Hein. Ils ont tout gobé, hein, tout absorbé. Hein. Tout absorbé, tout est là. Mais on l'a tous les jours devant nous. Tous les jours devant les yeux. Tous les jours. Alors oui, il y a des hommes maintenant qui vont éclore pour appliquer une justice, mais pas une justice sur le plan juridique, une justice par rapport à la matrice et la pièce de théâtre qui a été construite de toutes pièces par le plus haut niveau de conscience de l'animal humain. Nous sommes là, certains, à veiller au grain. À simplement pas rentrer dans ce jeu-là, et déjà là, tu enrayes la matrice. Ça fout la merde. Ça fout la merde. Là, il y a vraiment une sorte d'inactivité qui fait que ça enraye la matrice. Et c'est pas en la combattant, hein. C'est exactement l'inverse. Hein. C'est tout l'inverse. Tu rends ton combat, c'est tout ce qu'ils veulent. Ça occupe l'animal humain. Et toujours la même. Le même homme qui va éclore, qui va rentrer dans une grande créativité, avec une intelligence émotionnelle très très haute, une très très haute intelligence émotionnelle. Encore une fois, la vie est froide. C'est quelque chose, elle crée. Elle va tout régénérer en permanence, par exemple sur le plan terrestre. Après, là-haut, ce qui se passe dans l'univers, c'est pas de mon ressort. Je ne vais pas vous raconter des cracks, j'ai aucune vision par rapport. Alors, c'est clair que la Lune, le Soleil, les astres ont une influence sur. L'astral a une influence sur la carcasse, sur l'animal humain. Ok, ça agit. Il y a des choses qui agissent. Malgré tout, la vie est encore au-dessus de ça. Elle régit la créativité depuis le début. Et effectivement, l'homme est certainement la plus grande expression possible de créativité, ça c'est clair. Mais encore une fois, pas sur le plan artistique. Artistique, tu peux peindre des tableaux, c'est de la mort. Hein. Tu peux sculpter, c'est de la mort, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Intelligence émotionnelle. On n'a pas encore découvert comment le transformer. Cette créativité qui est en nous, on n'a pas su encore. Moi, je ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas. Je vais pas raconter d'histoire. Mon rôle est différent. Voilà, je développerai tout ça dans les prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à vous. La vie peut être perçue. La vie peut être perçue en toi. Simplement. Bise. J'aime. J'aime, j'aime, j'aime. J'aime tous les gens autour de moi. Même si c'est des portails organiques. Je n'ai aucune animosité. Je suis la représentation d'un animal humain également. Voilà. Bise. Bonne soirée à vous. Yeah.